sagt man Bestechung auf Französisch, Bonnet? Mir lieber, wenn Sie es als Geschenk. Jamais je ne vivrai à l'heure allemande. Jamais. We all know there are lots of films that have been made about the Second World War. You know, I don't feel that have been a lot. You know, most of those have been made about soldiers, I think, or you know, very particular parts of it. I don't think they've been made about the civilians under occupation. You know, maybe in France, perhaps, particularly, you know, maybe there are more of those that have been made. But my understanding of, from seeing a lot of films is, you know, this was a very fresh take. What I was reading in the book was a story I didn't know and a perspective I was unfamiliar with, not just the civilian population, but in particular, as all the men have been taken away and are put in prison, the women are left. And what's it like to be a woman in a town full of occupying soldiers? And it felt like there was a chance to really see so many different types of relationships between those occupied women and their occupiers. C'était donc cela la guerre. Paris avait soudain envahi Bussy. Femmes et enfants fuyant les bombes, à la recherche de vivres et d'un abri. Le regard de l'écrivain, c'est ce qui m'a convaincu à faire le film. Et pour plusieurs raisons. D'abord, ça m'a libéré de certaines... J'avais des, how do you say that, moral issues pour incarner ce personnage, mais c'est après avoir lu le livre que, voilà, quand j'ai découvert ce regard plein d'amour envers ce personnage, ça m'a libéré, ça m'a donné la force de dire, voilà, Mathias, tu peux incarner ce personnage avec le même amour sans te sentir coupable. Et donc, ça déjà, pour moi, c'était très important, mais ce qui était encore beaucoup plus important, en fait, pour moi, c'est l'histoire qui est dans n'importe quelle circonstance on se trouve, c'est aussi terrifiant et horrible que la guerre, qu'on peut toujours maintenir un regard d'amour et toujours être à la recherche de la beauté, et être à la recherche de l'âme des choses et des personnes. Et je pense que ça, c'est le plus important. Pour moi, c'est ça la force du livre, en fait. C'est ça, parce que je pense que c'est quelque chose d'universel et qui surpasse tout, même le temps et tout ça, parce que c'est des concepts humains qui n'ont rien à voir avec un contexte très spécifique. On peut appliquer tout ça aujourd'hui, et je pense que c'est ça l'importance de ce genre d'histoire. Si j'avais, ne serait-ce que l'ombre d'un soupçon, mon devoir m'imposerait d'agir en conséquence.